suite des aventures de Gwendoline. Bien le bonjour tout le monde. Ah. Bien ça. Puis là j'ai plus la patate comparé à hier. Ma nuit de sommeil m'a été vachement réparatrice. Même si j'ai fait des cauchemars chelous dont je me souviens au réveil. Mais dont je me souviens au réveil, pluriel. Bon, bref. Ah, j'ai mon super habit classe. Ça, je suis curieux de savoir. Ça va donner sur le toit. Ah non! Dis-moi pas que c'est pas vrai. Les épreuves de Sainte-Alésia. Waouh! Quoi? Tu viens de Tamika. Waouh! Ah, je m'attendais à une plateforme en plein air, mais pas du tout. Pardon. Que voulez-vous? Oh. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, aux prix les plus compétitifs. Effectivement, je dois reconnaître que ça vaut le coup. Est-ce qu'il y en a qui font rien de magie? La pastèque génère la lumière. Impressionnant. Ah, le jambon, c'est le regain de santé. Avec de la viande de rage, on est pas mal, mais... D'ailleurs, je suis con, j'aurais dû rester dans ma chambre. Pour... Saleté de voleur. J'espère qu'ils lui régleront son compte quand ils l'auront attrapé, mais ce n'est pas gagné d'avance. Il a des yeux et des oreilles partout grâce aux mendiants. Vous aussi. De l'alchimie. Oh. Oh, pas mal. Pourquoi pas? Voilà,
chair de crabe, j'en ai pas mal. Ah merde, y a rien qui. Ah Bah au moins j'aurais essayé. Ah, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans les égouts. En plus, comme j'ai une clé en plus, j'ai peut-être la clé qui déverrouille la fameuse salle, là, dite de sang. Ah, je serais tenté dès que je tombe sur une bouche d'égout d'y aller. Tu l'es? Comment te présente bien la miss? Qu'y a-t-il, citoyen? Bah rien. Rien du tout, circuler. Tiens, il y a une affiche. Il y a une affiche au mur. Ah, les combats d'arène. Le flacon moussant. Oh, ça m'intrigue. Étrange arrière-cour. La musette de mendiant. Non, il y en a du peuple. Votre service est terminé maintenant. Pas trop tôt. Ah merde, j'ai pas le droit d'y aller. Pardon. Attends. Un district des jardins. Ok, bon. Je suis tout ouïe, citoyen. Oh là là, oui. Je suis. Comme une belle nana bien habillée qui se promène en ville, sa première quête c'est de retourner dans les égouts. Il fait beau en plus. Ça donne envie de se promener.
parc avec cet édifice. Il y a un truc avec cet édifice. En fait, c'est... Ça va s'ouvrir, c'est un... C'est un passage secret, ça. Je sais plus quelle est la quête, mais je suis sûr que je vais rentrer dans le truc. Impressionnant. Mais l'empereur est là-dedans. Attends, je vais aller y faire un tour. Salle du conseil des anciens. Oula. N'oubliez pas que le fait de pénétrer dans le palais impérial sans autorisation constitue un crime grave. Ne vous aventurez pas au-delà des deux premiers étages. Ah. Merci pour la Tous les visiteurs du palais impérial sont priés de ne pas parler trop fort, en particulier si le conseil est en cours de session. Comment je mets un vent au mec? Est-ce que je vais m'aventurer? D'ailleurs, ça me fait penser au niveau de la magie, j'en ai plus. Waouh, je vois à peine où je me dirige. Waouh! Vertigineux. Ah, c'est impressionnant. Punaise. Puis-je vous parler? N'oubliez pas que le fait de pénétrer dans le palais impérial sans autorisation constitue un crime grave. Ne vous aventurez pas au-delà des deux premiers étages. Je vous écoute, citoyen. Le conseil des anciens. La salle du conseil des anciens est fermée au public pendant toute la durée de l'urgence. De l'urgence? J'ai cru qu'il m'avait dit de l'audience. Ah, le coup du renard gris. C'est lui que la garde impériale passe son temps à chercher. Il aime voler les riches. Et des rumeurs? Si vous devez voyager par les neuf divins, ne quittez pas la route. La région sauvage n'est plus sûre. Nous avons repéré du danger, vous savez. Les Dédras. Eh bien. Dégagez. Trop aimable. Quartier de la garde impériale, j'ai pas le droit. Ça ne m'étonne pas. Ah, en fait, c'est un énorme escalier, en fait. Cette partie-là.
Bon, bah j'ai pas trouvé ce que j'espérais. Ouais, bon, laisse tomber, allez, je me barre. N'oubliez pas que le fait de... Je sais, grâce à vous, je suis informé. Je suis sûr qu'il y a une entrée des égouts quelque part par ici. Désolé. Qu'est-ce qu'elle a planté là, elle? Herminia Sina, érudit amateur spécialisé dans les elfes anciens et étudiant des arts occultes. Que puis-je pour vous? Waouh, des rumeurs? L'hôtel Tiber Septim est un bel établissement. Par contre, il n'est pas donné. Oui, j'y ai passé une nuit. Effectivement, ça m'a coûté une blinde. Bonjour. Boyul. Zone de chargement, ah bon? Je dois avouer que j'ai le net sentiment de perdre mon temps. L'arène. Waouh. Je me souviens même pas dans ma petite partie précédente. J'étais pas allé loin, je suis jamais allé dans le quartier de l'arène. Vache! C'est vrai que ça en jette. Ah, les nénuphars. Il doit y avoir des. Un accès aux égouts quelque part. J'ai dors debout, pardon. C'est la veille. Ah, mais j'ai déjà passé par là. Je me souviens. Ouais, c'est des entraînements qu'ils font les mecs. Tiens. Ah, ça doit être un puits. Un puits et rien d'autre. Oula, il y a à récolter là-dessus. Non, des gun boards. Oh, ah si, j'ai quand même trouvé un... champignon sur deux, il y avait un truc. Ah bah voilà! La sacro-sainte bouche d'égout, je l'ai trouvé. Hop là, ninja! Je me barre. Je me demande si je prends pas ce qu'il y a dans la zone que la dernière fois. Ah ah!
c'est vrai que j'ai plus de magie, mince. Ou alors j'y vais à la torche. J'y vais à la torche. Hop là, c'est parti. Ah oui, je devrais plus avoir grande résistance vu que j'ai fait le ménage. Ça c'est agréable, j'ai plus qu'à aller me promener. Non. Faut que je rouvre les sas. Dessous dans la... Oh merde, je suis pas dans le bon habit là, je suis dans mes habits classe. Oh le con. Ah oui. Faut pas que j'aille à poil. Oh putain. Ils sont pas trop forts. Il a failli m'avoir, putain, il m'aurait fait bondir. D'ailleurs, au niveau de la tout ce qui est potion, ah, regain de magie, regain de santé, ouais, c'est bien. Ah non, j'en ai gâché, merde. Je suis pas allé au fond du truc, tant pis. Bon bah là je peux les boire. Hein. Oh là là. Faudrait que j'apprenne vite à en faire du... De la potion de magie. D'inquiétude à avoir. Les yeux sous détour, c'est tout. Mais qui c'est qui parle? Qui me parle? Ah bah voilà. Intéressant. Merde, je reprends depuis l'hôtel, j'avais jamais sauvegardé. Ah non.
Ah merde le con! Vite, faut que je retourne dans les jardins. Intéressant, je me demande, vu la tête du mec, si c'était pas le doyen des vampires. Elle avait rien de... Enfin, si, elle avait des ingrédients, mais... disons que je m'en moquais. À moins que je lui vende... Oh. Attends, je suis chargé comment au niveau inventaire? Ah, je suis quasiment blindé. Ah, je vais peut-être aller voir un marchand avant. Avant de retourner dans les égouts. Où est le quartier marchand? Parlez. Et puis je vais changer de tenue parce que là j'ai pas la bonne. Voilà. Non, là c'est une auberge. Attends, du coup je me mets à courser comme un maboule. Merde. Où est le quartier marchand? Le sanctuaire, j'y suis même pas allé. Je suis tout ouïe, citoyen. Quoi? Tunnel en bois. Pour l'île de la cité, c'est pas ça que je cherche. Le quartier marchand. Ah bah, c'est là où il y a les égouts. Bah, le problème, c'est que j'aurais rien vendu. Ah, parce que là, c'est le palais, on est d'accord. Eh oui, c'est ça, c'est le palais. Ah mince. Oh, t'es qui? Bonjour, ô elfe. Adjirad vous salue. Assiri et Urjabi sont ses frères. Le courrier du cheval noir est notre service d'information impériale. Il est géré par le Conseil des Anciens. Ah, la cité impériale, t'as l'air d'en savoir des choses. Vous avez déjà vu des Khajiit en train de courir dans tous les sens? Vous n'avez qu'à regarder Adjirad et ses frères. Nous livrons le courrier du cheval noir aux citoyens. Eh bé, des rumeurs? Mon cousin dit que tous les mendiants travaillent pour le renard gris. Ça fait froid dans le dos. Eh bé, à bientôt, Adjirad. Bonne journée. Mais si, à toi aussi. Tiens, je vais descendre dans les limbes, moi. Ninja. Bon. Oh. J'étais la minute sexy, mon dieu. Alors, torche. Sauvegarde. Alors... Hop 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 hop. Ah oui, il faut que j'ouvre la porte.
sonder. Voilà, je suis tombé dans la flotte, comme ça. Je vais pouvoir, voilà, pousser la victime. Que vous avez. Oh la vache! J'aurais préféré le squelette. Waouh! Mais j'ai pas eu autant de dangers aussi mortels à ma première visite. Ah, oh, j'en reviens pas, dis donc. Punaise. Du coup, ça me donne plus envie de foncer dans les égouts. Hein. Je leur ai fait une fois, mais pas deux. Parce que là, les choses qui se promènent dans les égouts. Je vais faire une autre sauvegarde rapide, au moins ce sera du chemin que je referai pas. Oh, il y a un chien. D'accord, je suis en armure. Putain, je vois que puits qui fait tellement obscur. Ah oui, ça se voit que je suis en armure. Bon, bah, allons braver le danger. Non, par rapport à la carte, ça correspond à quoi? Ah si, j'avais déjà visité. J'ai dû uniquement refermer la grille, je sais pas où quelqu'un est passé. Je vais tenter ma chance. C'est un voleur vampire. Merde, j'ai pas assez de magie. Thank you.
D'accord, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Ah oui, excellent le torche. Excellent trouvaille. C'est dingue, je me souviens même pas de celui-là. Effectivement, j'avais fait le ménage. Ah, mais là, il n'y a rien d'intéressant. C'est là-bas que je vais aller, moi. Je vais faire demi-tour. Hein. Parce que j'ai chopé une clé. Et je pense que la clé, c'est la fameuse salle verrouillée dans les égouts. Je vais sûrement découvrir un truc. Mais il faut vraiment pas que je tue un chevalier vampire, parce que alors là, je me fais déboîter. J'ai clairement pas le niveau. Ah oui, c'est en bas. Ouais, bah, tant pis, je vais sauter dans le... Ça va, ma vache. On a un profil athlétique, la petite gondoline. C'est après que ça m'intéresse. Ah non, j'ai pas la bonne clé. Merde. Ah, je croyais que j'avais la bonne clé, dis donc. Clé des égouts, salle sanglante. Ah merde alors. Je croyais que c'était ça. Non, c'est les égouts du palais. Punaise. Les égouts du marché. Ah merde, je suis déception. Je crois.
coup je suis couillonné parce que je suis dans la partie basse des égouts. Oh vache. Surface. T'es bien d'accord, j'ai quasiment tout exploré. Ah oui. J'ai des panneaux à la porte de sortie. Ouais, ça fait sombre. Mon dieu. La 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 li la li la li la li. C'est un peu sympa quand il fait jour. What? La vache. Punaise, il est en train de me tabasser le salopard. Allez, potion. Potion, potion, potion. Ouais, ouais, ouais. Alors. Voilà. De toute façon, tout le j'ai voir les commerçants, j'ai plein de trucs à me débarrasser là. Bon bah contrairement à la nuit précédente, je passais dans le sens contraire du chemin. Avec un peu de chance, je trouverai l'entrée de la cité plus rapidement. Oh punaise, c'est grand, c'est beau. Je vais en vivre des aventures dans ces montagnes, dans cette forêt. Tant de mystères. Ic, pardon. Ah bah tiens. C'est lui que j'ai pataté la nuit précédente. De redescendre, vous êtes sûr? Je peux faire sa ninja Gwendoline, non? Regarde, hop là. Je reconnais que c'est abrupt là. Si je me loupe, que je dérape, je meurs. Mais Gwendoline est une ninja. Yo! Ah, serait-ce la place des marchands? Non merde.
apparemment. Non. Voilà. Ah oui, je peux emballer la torche. J'ai plus de trucs à vendre, sauvegarde. Je ne les supporte pas. Au revoir. Bonjour. 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 Au revoir, au revoir. Claudette Perrick tient une belle boutique d'alchimie. Vous devriez aller voir à la Carafe Dorée. C'est une belle boutique, du moins pour les alchimistes. J'ai entendu d'autres personnes dire la même chose. Au revoir. Adieu. Sors bon marché. Ah ah. Je reviendrai ici quand je serai riche. Divine élégance. Grand magasin mystique. Ah oui, tranché coin, il est marrant lui. La carafe dorée. La meilleure défense. Je vais aller à la carafe dorée, ça m'intrigue. Mon ami, je pense qu'on peut y vendre tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh putain, tu m'as fait peur toi. Otrellos, je suis un furtif. Un furtif avancé même. Et j'entraîne des furtifs. Il n'y a pas de loi contre ça. Oui, bah oui. Des rumeurs ? Samuel Bantien menait une vie de bâton de chaise autrefois. À ce qu'on prétend, c'était un sacré serrurier. Ah. Sois pas méfiant. Laissez-moi tranquille. Oh là là. Bonjour Claudette. J'ai là tout ce que les alchimistes débutants peuvent désirer. Bien plus que Thoronir ne l'aurait jamais fait, en dépit de sa terrible déontologie. Ah, les Ninroutes, ça vous parle ? Cette racine semble avoir des propriétés étranges que je n'ai jamais rencontrées parmi les autres plantes de cet acabit. Je crois que Sindarion à Skingrad sera plus à même de vous aider que moi, car il se spécialise dans les choses de ce type. Ah, intéressant. Ah, commerçons, je vous prie. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Effectivement, tu as du matos qui m'intéresse. Mais d'abord, je vais te vendre ce que j'ai. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Oh, le haut est. En plus, elle a pété de thunes, elle a 1200. Regain de fatigue. Je vais en vendre une. C'est un prix équitable. Vision nocturne, oui, je sais pas, ça va peut-être m'aider une fois. Regain de fatigue. Vous êtes très dur en affaire. Oh l'autre, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Moi, je suis prêt à t'acheter des trucs. Quatre, non mais ça va pas, non. Faudrait que j'achète une cornue. Manquera la cornue. C'est bien, après elle est douée en... J'aime quand mes clients sont contents.
Attends. Prenez soin de vous. Ok. Graine de lotus, je peux rien faire. Ah si. Réduction de santé, étrange. Alors attends. J'ai là tout ce que les alchimistes débutants peuvent désirer. Je vends des potions, ainsi que tout le nécessaire pour en préparer soi-même. Qu'est-ce que ce sera ? Ben, ce sera que je vais te vendre ce que j'ai réussi à créer, ma grande. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Vous avez gagné une belle somme. Oh, l'autre. Ah, oh, je suis à une pièce d'or de pouvoir acheter la cornue qui me manque. Une pièce d'or. Merde. Ouais, bah allez, je... C'est une bonne affaire. Ouais, je te crois, je te crois. La dite cornue qui me manque. Ah. J'aime quand mes clients sont contents. Mais complètement, merci, grâce à toi, je vais devenir un expert alchimiste. À bientôt. À bientôt. Putain, mais je suis trop lourdement chargé. Ah, ça fait plaisir d'avoir la panoplie complète. Ah, c'est bon ça. Voilà. Stylé. Ah non, je peux rien faire. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, mince. Ouais, le regain de la magie. Hop là. Quelque chose... Alors, mais il n'y a pas un prêteur sur gage. Quoi? Bureau du commerce impérial. Non. C'est un bureau de registre ou c'est vraiment un bureau où tu achètes et tu vends ce que tu souhaites? Comment allez-vous? Vinicia, quel beau prénom. Vinicia Melissaia, bureau du commerce impérial. Vous avez une plainte? Bien sûr que vous avez une plainte. Qui n'en a pas? Oh, acheter une maison en ville. Quelle délicieuse idée. Ça coûte combien? Je ne vous fais pas assez confiance pour vous en parler. Oh, je suis outré. Bon, je la comprends. C'est vrai que je suis un ancien prisonnier. Et je viens de passer la majorité de mon temps dans les égouts. À patater des vampires et autres monstruosités, j'avoue. Il faut que j'écrive mes nettres de noblesse. Voilà, j'alterne les lettres. Oh mon Dieu.
Alors, les fleurs qui est en arrière-plan, moi je dis comme une veinée, elle pourrait les porter à ses cheveux. Elle serait divine. Enfin bon, là n'est pas le propos. À bientôt. À bientôt, madame. Ah, les sorts bon marché, ça m'intrigue, mais je suis ruiné là. Donc, ouais, il est mini avec ses nattes, on dirait une scandinave là, la jeune femme. Divine élégance. Attends, je suis pas dans la bonne. C'est là-bas qu'il doit y avoir, c'est dans l'autre cour. Bonjour, Impérial. Qu'est-ce qu'il y a encore? Claudette Péric tient une belle boutique d'alchimie. J'ai appris qu'elle Vous devriez aller voir à la Carafe de la Chapelle rien que pour Claudette pouvoir fait du bon travail, mais elle devrait changer le nom Peut-être de son établissement. Peut-être qu'elle pourrait m'apprendre à tomber. C'est très utile. C'est nettement mieux que d'utiliser une épée ou de lancer des bandes de feu, par exemple. Je demande juste de quoi nourrir mes gosses. Oula, dit comme ça, c'est terrible. Tiens. Merci, chère madame. Bonne journée à toi. Adieu, vous bénisse. Il est passé devant, mais comme un... Poursuivez, je vous prie. Ah, mais c'est toi. La vache, tu fais de distribution de courrier, comment? Au revoir. Ah, bah oui, c'est son office de travail. D'accord, c'est autant dire que c'est la poste. Non, ça, c'est une auberge. Pardon, chez le forgeron. Bijouterie, oh la vache, c'est un joaillier. La musette. Oh, c'est un bar, un estaminet. Article comme neuf. Ah. Avez-vous des nouvelles de la mission dont nous avons discuté? Non, mais bonjour. Pour commencer. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Attends, je vais te vendre ce dont je veux me débarrasser. Fourchette en argent déjà. Les pots de loup. C'est un prix équitable. C'est un prix équitable. Vous êtes très dur en affaires. Oh, mais arrêtez de dire ça. Je vous le rendrai bien, va. Détection de vie sur 22 pieds. Oh, voilà, c'est. Oh non! Là, c'est l'alchimie. Ah, ça pour ensorceler et amulette de bronze, faut que je garde. Vous avez gagné une belle somme. Oula, il faut que j'aille voir un forgeron, ma cuirasse de fer, elle est bien pétée. Ou alors je me la répare moi-même, mais... Ah... La tenue noire et bordeaux ou les vêtements de couleur rouge, j'ai envie de les garder. Juste pour le plaisir. Oh là, faut que je tire davantage à l'arc, j'ai 175 flèches. J'en ai trop en fait. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Ouais. Et Thorinir? J'espère que vous aurez plus de chance que nous pour découvrir son plan. Oui, c'est possible. Merci encore de votre aide. Nous ne pouvions faire appel qu'à vous. Eh bien. Ah putain, en poids, j'ai quand même beaucoup en poids. Ça fait peur.
Mais quelle est Mimi, oh là là. La petite Gwendoline. Ah, je vais essayer d'apprendre à réparer mon... Oh, les bottes sont défoncées. Ah, il va me falloir beaucoup de marteaux là. Oh la vache! J'ai utilisé tous les marteaux. Ah, j'ai 34 crochets, tranquille. Waouh, ma vie de pickpocket! Ma vie de voleur va être riche. Petite amulette de bronze. Oh, c'est Mimi. Mais elle est Mimi comme ça avec son amulette de bronze. Mais sans déconner, j'ai rien d'autre à vendre. Parce que je suis déjà vachement bien chargé. Faut que je fasse gaffe. Ah, c'est... Ouais, c'est mon matos déjà d'alchimie. Qui prend du poids. Mais bon. Ouais, les potions prennent du poids aussi. Oh la vache. Ah ouais, j'en ai 11 qui font une demi-unité de masse chacune. Ouais, ouais. Ah, la viande de rat aussi. Oh la vache. Le problème, c'est que j'ai pas de point de chute officiel. Je suis encore SDF dans le jeu. C'est horrible. J'ai pas de domicile fixe. Pardon. Ouais, je vais faire une petite pause, tiens. Une petite pause s'impose. Hop là. Ah, je reprendrai tout à l'heure. Allez, une petite pause, c'était bien. Ah oui, j'ai déjà fait une heure.